gagne au TGS. Alors moi c'est Arnaud Huc, je m'occupe des effets spéciaux, du montage et je suis au cadre avec souvent avec Emilien et voilà. Je m'appelle Nicolas Nedelec, je suis le créateur, réalisateur et scénariste et voilà. Je suis Emilien Paron et donc je suis scénariste, monteur avec Arnaud et je cadre. Alors, pourquoi on a fait Ulysse ? Ulysse, ça partait d'une envie commune de réaliser une web-série précisément. Donc pas un court-métrage, pas un long-métrage, mais travailler sur une histoire très longue qu'on puisse découper et proposer sur Internet. Déjà voilà. Après, pourquoi l'histoire d'Ulysse ? On a mélangé un peu tous nos univers qui allaient donc décider plus de la comédie. On a de Chuck, Scrubs, tout ce qui nous inspire comme ça, à l'univers plus science-fiction. Qui va de Doctor Who à Fringe et toutes nos références un peu pop culture geek qu'on a, et on voulait une histoire complexe, un peu à la Lost, avec une fin qu'on avait déjà définie nous à l'avance. Pas comme Lost. Voilà, comme ça on sait où on va et puis voilà, après l'histoire s'est faite d'elle-même. Donc Ulysse en fait c'est l'histoire de deux personnages qui vivent à deux époques différentes et on va voir comment leurs deux mondes vont interagir, comment on arrive de l'un à l'autre. On part de 2012, on suit un personnage qui s'appelle Ulysse, qui est tout ce qu'il y a de plus lambda, à part le fait qu'il a un super pouvoir, qu'on va découvrir, qu'il ne sait pas manier. En fait, il ignore beaucoup de choses sur lui, sur son passé, voilà, il y a un peu de mystère sur ce qu'il est. Et après, on découvre donc Elena, qui vit en 2038, dans un monde totalement post-apocalyptique, qui a suivi une grande guerre mondiale. Et donc le but, c'est, voilà, elle va recevoir un carnet, cette fille, et en le lisant, elle va suivre la vie d'Ulysse. Le carnet raconte la vie d'Ulysse en 2012. Et donc tout l'intérêt, en fait, c'est de voir comment on arrive. On part de 2012 pour arriver à 2038. Voilà. Au Québec, c'est beaucoup de science-fiction pour le coup. Beaucoup de comédie, de l'action, de l'amour, de l'aventure. Voilà. C'est bien. Voilà. Ce sont des masseuses. Ah, vous êtes des masseuses, hein. Ouais. Ce sont des comédiennes qui jouent dans la série, ouais. Voilà. Voilà, bah, je suis comédienne et puis j'ai été recrutée via le site cinéaste.org. Voilà. Sinon, je fais quelques projets aussi à côté. Je sais pas quoi ajouter. Voilà. Bonjour, bah, moi c'est Léonie Guiguin. J'ai atterri dans Ulysse un peu comme ça en fait. Je connaissais Gaëtan qui joue Charlie et j'ai été intégrée à ce projet-là et c'est génial parce que c'est mon premier projet. Et c'est vraiment un truc de dingue comme expérience. Vos prochaines saisons sont déjà prédéfinies ou vous avez un cours d'écriture encore ? On est en ce moment en cours d'écriture, donc techniquement on sait où on va, on sait comment finir la saison, on a les grandes étapes, on a défini avec Emilien, on travaille sur l'histoire en fait globale. On définit les grandes étapes, après on en ce qui se passe dans chaque épisode. Voilà. On en parle à Arnaud pour voir ce qui est possible au niveau des effets spéciaux, voilà, là jusqu'où on peut aller en fait. Même si on aime bien le pousser un peu. Mais voilà, on force à péter le curseur. Parce qu'on sait qu'il peut le faire. Mais voilà, donc on a l'histoire, on a la fin, on a les grandes étapes et là en gros maintenant on rentre dans la phase d'écriture. On va mettre en. Les dialogues, le détailler quoi. Vous avez prévu combien de saisons pour Ulysse ? À la base, on n'a pas prévu. On partait sur. On trouvait que 4 c'était bien. 4 ou 5 c'est des chiffres généralement. Voilà, on ne sait pas trop. 4 c'est bien. Sans doute. Plus après, le temps passe, plus c'est 4. Hein. Ouais, 4, peut-être 3. Moi je pense que 3 ce serait bien pour voilà, avoir un. Pas trop tirer sur la corde non plus. Mais on partira sûrement sur 4, moi, je pense. De saison, sachant qu'on connaît la fin vraiment, on sait comment ça finit. Donc c'est comment on répartit les intrigues et on peut en ajouter des nouvelles intermédiaires ou pas. Donc soit on dilue entre guillemets, soit on compresse un maximum.
si on compresse vraiment un maximum, il faudrait 3. Ça ferait peut-être une saison un peu trop dense. Donc 4, ça me semble pas mal. Sachant qu'après, voilà, enfin, on doit jouer aussi sur les apéritifs où, comme tout le monde travaille un petit peu à côté, voilà. Pour l'instant, voilà, Arnaud fait beaucoup du cinéma à côté. Donc on est obligé un petit peu de jouer avec ça. Donc on va adapter en fonction des besoins. Mais voilà, quand vous êtes 4, c'était bien. Et après Ulysse, est-ce que vous avez prévu d'autres projets ou pas du tout? Alors, personnellement, d'autres projets, on... Alors c'est difficile parce que ça prend tellement de temps pour l'instant, ouais. Ulysse, qu'on a du mal à se projeter trop loin. Oui, on aimerait bien forcément, ouais. On aimerait qu'Ulysse finisse correctement pour pouvoir faire autre chose à côté après, soit être plus professionnel, comme a pu faire des cracks, comme pour le VDF, a pu faire entre la saison 2 et 3, avoir déjà un projet, on pouvait déjà faire rémunérer des gens pour avoir quelque chose de plus pro. Après, oui, Arnaud a plus de projets que nous finalement sur tout seul, il va nous parler. Oui, bah moi en fait, oui, c'est plus perso, à part un peu de la bande. C'est plus, en fait, là j'écris sur un de mes scénarios pour faire du long métrage. Et voilà quoi, enfin je développe avec des potes un collectif et tout ça. On fait beaucoup de post-prod, de montage. Du coup, on fait des courts-métrages et on développe des projets de pub, de machin pour des clients et des agences. Voilà. Sur YouTube, tout simplement, vous tapez Ulysse la web série. Alors tapez bien la web série après, hein, parce que sinon vous allez voir d'autres choses. Ouais, ça marche. Ouais, faut scroller un peu, mais effectivement ça se trouve. Ouais. Et il y a une saison complète qui est en accessible, donc il y a 10 épisodes, vous avez 3 heures de programme. Comme la durée des épisodes a un peu évolué, on est parti sur du 10 minutes, puis du 15, et on s'est stabilisé à 22 minutes, avec un final à 35 minutes. Voilà. Donc Facebook, faut taper Ulysse web série, site internet où c'est www.ulysse-la-série.fr, un Twitter où on tape aussi Ulysse série, la série, on tombe dessus. On a un blog aussi. On a un blog qu'on essaye de nourrir un peu, ouais, où on met un peu plus, on rattache. Il y a des articles, par exemple, de la Gazette de Versailles qui est gérée par un journaliste qui est faible dans l'histoire et il écrit un peu des histoires un peu à côté de l'histoire pour alimenter une sorte de transmédia. Donc on essaye de nourrir le blog et du coup de pousser un peu les gens aussi à aller là-dessus, quoi, et pas que sur le YouTube, pour nourrir un peu l'univers. Voilà. Bon, mais merci de nous accueillir au TGS et passez un bon moment ici à Toulouse et on se dit à bientôt. Merci à vous. Et merci beaucoup. Ouais, bon courage pour la suite. Merci, au revoir.